temps sur des écrans juste avant d'aller dormir. Bon, on va essayer de faire attention. Un autre conseil pour favoriser l'endormissement ? Avoir des repas peut-être un peu plus légers, un peu moins gras, moins pris 3 heures avant d'aller dormir, de manière à ce qu'on ait la capacité de digérer correctement. L'endormissement est également favorisé par la consommation de légumineux, féculents, les bananes, le poisson et les infusions aux plantes. D'ailleurs, en parlant d'infusion, comment sait-on que notre corps est correctement hydraté? Un moyen simple, c'est de regarder la couleur des urines. Si c'est une urine qui est presque transparente, ça veut dire qu'on boit suffisamment. Si elle est jaune, on ne boit pas suffisamment. Et l'alcool, c'est aussi un peu hydratant, non? L'alcool, ce n'est pas quelque chose qui est absolument indispensable à la vie humaine. On va justement détourner certaines fonctions biochimiques, biologiques, le corps face à cet alcool aura moins cette capacité à se protéger. Et si je veux me mettre au sport, c'est une bonne idée? Il faut faire de l'exercice physique et ça c'est minimum 3 fois 50 à 75 minutes par semaine quand même. Hein. À vous de décider de combiner d'une part des exercices où vous allez avoir du renforcement musculaire, des exercices où vous allez faire un petit peu plus de cardio. Et si je ne suis pas vraiment un sportif dans l'âme? Si vous n'avez pas bougé pendant les 2 dernières années, ce n'est pas le moment de vous mettre à faire 50 pompes par jour. On recommande que toutes les heures, on puisse se lever au moins 5 minutes pour bouger, pour marcher, pour aller chercher quelque chose. Il sera même plus intéressant pour le corps d'avoir fait ces petites pauses que de vouloir se dire « en fin de journée, j'ai envie de faire 1 heure de sport ». Place maintenant à la star du renforcement immunitaire, la vitamine. La définition de la vitamine, c'est un élément que le corps humain ne fabrique pas lui-même. Il ne peut donc le trouver qu'à l'extérieur. On démarre avec la plus connue, la vitamine C. Vous allez la trouver, par exemple, dans les agrumes, vous allez la trouver dans les kiwis et notamment également dans les poivrons, ainsi que dans les choux. D'autres aliments riches en vitamine C, les courgettes, tomates, les fruits rouges, un élément crucial pour notre organisme, la vitamine D. Or, près de 75% de la population belge en manque. La première manière d'avoir de la vitamine D en quantité suffisante, c'est d'avoir une exposition au soleil. Dans l'alimentation, les aliments les plus riches en vitamine D sont par exemple les poissons gras, dans les produits laitiers, notamment dans le jaune d'œuf. Pour compléter cette liste, citons l'huile de foie de morue, le chocolat noir, les champignons. Et enfin, les compléments alimentaires. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Ça fait partie d'une mode, c'est un petit peu comme les vêtements, chaque année il y a une nouvelle saison. Si vous avez déjà une alimentation qui sera variée, équilibrée, saine, normalement vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. Ça n'a pas de sens de faire...